muganga na kwa deja musid kivu Pana na marakucha no napanda. Apeto nane marakucha, nane panaye. Mm. Ole hariko se puro enda. Apresita un valde. Ina bacha tu ni jarde. Cesa. Sabu tena jino nasema hapa njo Kairenge. Kairenge. Territorio Kairenge. Tusha toka deja en provincia Nord Kivu tunakuwa Sud Kivu. Memo que viva nisha banisha vile eske vitakuwa na respiri sivina penda na vikuwa na respiri ni fobi na komanda. Na source ili mutoni nonjo njo mutoni gani? Inaenda timu laki. Asa papa fijese. L'idée vous est venue comment vous pouvez investir en dernier vite. Bon, l'idée m'est venue est c'est comme ça que j'ai grandi. Premièrement, Nico, je suis un agronome. Même que j'en ai fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce? J'ai fait l'agronomie, j'ai fait les développement rural, j'ai fait les droits. Donc tu vois, j'en ai fait beaucoup de choses. Donc l'idée est venue comment? Moi je sais que tu vas dans des pays industrialisés comme la Chine et les autres. Les gens se sont enrichis. Mmh. Ou le pays s'est développé grâce à l'agriculture. Donc les gens pensent que pour avoir la richesse, il faut aller en Europe, il faut je sais pas être qui, il faut être président. Bon, moi je connais comme le président du Burundi par exemple, Andam Chamba. Oui. Donc des activités agricoles comme ça, comme on dit que la richesse. Il n'a pas comme sous-sol. Mm. C'est comme ça que l'idée il y a. Donc l'idée, il n'y a déjà pour ce matin. On peut se développer grâce à l'agriculture et l'élevage. Parce que ce sont des investissements durables.
Je peux payer une voiture, mener ça aux abysses, je les mets à Mouvaravara, une Apindou là-bas. Qu'est-ce que je vais gagner? Mais le sol ici reste, c'est de génération à génération. C'est comme ça que moi j'ai pris l'idée de dire, ce qu'il faut faire, le commerce, les ferrons, ce qu'il faut faire, les histoires de véhicules. Mais il fallait pas il fallait pia upate idée tes akua mais kama hauna barabara mwenye na kuruhusu nani batu gani bali kusutenir kusudi ifikile mvile parce que idée tes akua été soutenu par personne. Donc c'est grâce au petit moyen, le petit salaire que j'ai gagné là où je travaillais avant, j'ai continué. Donc moi j'achète, c'est comme là où nous irons par exemple. J'ai commencé par 2 hectares, aujourd'hui je suis à 15 hectares. Donc c'est des petits moyens seulement ou des petits investissements. Si je trouve 5 ça, je mets ensemble, dès qu'on a mis 5 ça, j'achète ainsi de suite progressivement. C'est de cette manière. Donc il est Himamishara qui peut vous contrôler au pour se reconstituer. Mais je ne peux pas te dire que voilà, j'ai d'un coup des moyens. Et du coup, je me fais qu'un house avec nous. Donc, c'est des moyens que j'ai mobilisés de manière progressive. Bon, c'est vrai que pour la station comme à Kachenda, là où on a été, quand j'ai commencé, j'ai été soutenu par une entreprise américaine. Une connaissance que j'avais au niveau des États-Unis. Mais ça par exemple, ce sont mes moyens personnels.